c'est encore moi, Francis Paraiso. Si vous avez manqué nos deux premiers épisodes sur les compositrices, rejoignez-nous vite et n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos vidéos sur YouTube. Sans musique, la vie est inutile. C'est ce qu'a joliment affirmé notre compositrice du jour, Henriette Bosmans. Et petit clin d'œil aux origines néerlandaises de Peter Jelledebourg, le directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Nous sommes à Amsterdam, ville dans laquelle Henriette Bosmans naît en 1895. Son père est violoncelliste au Concertgebouw et sa mère, pianiste concertiste, enseigne aussi au conservatoire. Une chance pour Henriette qui peut donc, dès son enfance, marcher sur les pas de ses deux parents. Comme nombre de ses consoeurs, elle apprend le piano, un instrument très souvent recommandé aux femmes à cette époque, et elle devient rapidement une virtuose de l'instrument. Mais dès son adolescence, elle écrit aussi de la musique et se forme au conservatoire pour ce qui est des matières théoriques, telles que la composition et l'instrumentation. En 1921, Henriette Bosmans fait la rencontre de la chef d'orchestre et violoncelliste Frida Bellingfeldt, qui devient sa compagne, et à qui elle dédie son deuxième concerto pour violoncelle, un instrument pour lequel elle écrit de magnifiques pages. Hélas, un premier drame en 1935 vient stopper son activité créatrice. Elle perd son fiancé Francis Cohen, un violoniste avec lequel elle jouait souvent. Et puis c'est la guerre qui la prive peu à peu de tous ses contrats. À partir de 1942, du fait de son ascendance juive, Henriette ne se produit plus que de manière clandestine et ce n'est qu'après la guerre qu'elle reprendra son activité de compositrice. Avec un catalogue de plus de 70 pièces, Henriette Bosmans est la compositrice néerlandaise la plus importante de la première moitié du XXe siècle. Vous devez absolument la découvrir. Son Quatuor à cordes a été écrit en 1927. C'est une œuvre courte en trois mouvements enchaînés, tour à tour mystique, fiévreuse, lyrique, aux harmonies tantôt lumineuses, tantôt sombres. Un magnifique témoignage de l'esprit libre et ardent d'Henriette Bosmans, pour qui, souvenez-vous, sans musique, la vie est inutile.